Bonjour Philippe, c'est lui. Salut Pascal. La forme ? Impeccable. Ma question sempiternelle, tu sais, la forme. Sylvie, vous êtes prête ? Bah, je pense, oui. Ok. Donc on a une caméra sur la tête, une GoPro 2 ici, une GoPro 3 qu'on mettra tout à l'heure, qui est sur tes genoux, et la 4, elle est là. D'accord ? Tu vas voir que ça va faire du bien. Nickel. Bien. Voilà, attention, il n'y a personne devant, Jean-Luc est éloigné, je tiens les commandes. 3, 2, 1. D'après ça, on monte dans le vert, ça c'est déjà vert, c'est normal, on est dans le full, c'est normal. Ok, ça c'est bon. Et il est 11 ans. 60 Fox November Lima, rebonjour. 60 Fox Golf November, November Lima, DR 403, personnes à bord au parking club. Je roule au point d'attente 07 pour les essais moteurs. Allez, on est parti. On va mettre un peu de gaz, il va décoller. Je réduis. Ok, les freins. Donne. Je me disais, où est-ce qu'on est là? On est sur la 07. Donc ici, je m'arrête volontairement, évidemment. Non, je suis sur la piste, c'est pas bon du tout. Donc là, on est à 2000 tours. Et il veut avancer, hein, malgré les freins. Si on veut, l'animal. Ok, donc on est à 2000 tours. Et le but de la manœuvre, ça consiste à dire, on enlève un cran, on perd son tour à peu près, c'est normal. On revient sur 2000, c'est parfait. Il y a deux systèmes de bougies en fait, on teste les deux systèmes de bougies. Ça c'est bon, on réchauffe carbu, à peine son tour, on est bon aussi. Hop, on tire tout, on réduit. À peine son tour, clac 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 clac. Lima de Juliette Golf, vous êtes prêt ou je peux vous passer devant? Allez-y, vous avez l'habitude, vas-y. Juliette Golf, je rejoins la 07 Herbe pour un vol à destination Plessis-Belle. On en profite, on admire. Ah, ça y est, il a tout dégagé. Hop là. Et le moment où il passe, bon fichier la cata, a déjà gagné ton surnom avant le décollage. Bon, c'est pas grave, on va le voir décoller, c'est juste. Dans le golf, mais... Bon vol, Juliette Golf. Alors les volets un cran symétrique, éjecteur. On admire un petit peu, hein, ça vaut la peine. Voilà, il est déjà parti. Bon, il est tout seul, c'est un biplan. Hein. La température, la pression, la température. 22. 62 Fox November Lima, pas d'appareil en vue dans le tour de piste. Je pénètre sur la 07 pour décoller. Lâche les freins. Pas d'appareil. Pas vite belle. Alors, on va se mettre. Et là, elle est bien bombée. Hein. Ouais. Alors, je ne l'ai pas dit dans le briefing sécurité, mais pour le départ, voilà, on va se mettre dans l'axe. On est sur du. Comme ça, c'est un peu mieux. 69. On se met à 1200 tours, Jean-Luc est là. La piste elle est plus courte, j'ai moins l'habitude de l'herbe, donc on va faire un truc normal, c'est que je mets toute la puissance, on a la... On a les 2000 tours affichés, ok c'est bon, on est parti, on lâche le talon au plancher, la pompe, désolé, on a vu. Pas d'actif, pas d'alarme. En 3-9. Voilà, un peu de pied, un peu de machin. Bien.
C'est parti. Ok, on reste dans l'axe. Donc clairement à 4 on décollait pas. Ouais. Montée initiale 79 et tout. À gauche on a une belle vue. Superbe. La route elle est là, 800 pieds, au plafond. Alors plus de pompe, pas de réchauffe. Hein. Poisson à droite. Hein. 60 Fox Novembre Lima, montée initiale en traversier. On cherche. Ok, on est 1500 pieds. Attention à ce qu'il y a en dessous. 1500 pieds, je stabilise pour le moment. Regarde, personne. Et le terrain, il est où là? Et à droite. À droite. Arrière, ah, ouais. Ouais. 60 Fox Novembre Lima, 1600 pieds en monte, 2000 pour une prise de route 220 vers Villers-Cotterêts. La ligne d'arbre, voilà. Là-bas, c'est la nationale 2 qui mène sur Paris pour être Villers-Cotterêts. Voilà, donc j'ai ma ligne de chemin de fer juste à gauche là. Voilà. Donc je suis content. Oh. 1800 pieds. Alors en termes de vitesse, là ça va pas, 80 nœuds. Voilà, 2000 pieds. Ah, désolé. Voilà, on s'est stabilisé maintenant. On a fini les péripéties du décollage. Alors maintenant, on va chercher la grande antenne. C'est notre point de repère. La grande antenne, ben elle est là-bas, tiens, à droite. Elle est sur tes 14h. À 2h. Je la vois, ouais, à 2h. Elle, ah, ça y est, elle pilote. Ok, 2100 pieds, tant que tu en es même un peu plus haut que prévu. Ok. Voilà, c'est bon, on est stabilisé. On est dans le voyage, on est parti. Donc 27, Villers-Cotterêts, 1 minute. Alors là j'ai jamais vu ça là. À ce stade là j'ai jamais vu ça. Au moment où je prends la photo. Ouais. Bon on est passé vraiment sur un truc exceptionnel. Hein. Honnêtement c'est exceptionnel, j'ai jamais vu. Alors l'antenne elle est où? Elle est là, très bien. Ça va Sylvie? Oui ça va. 60 Fox Novembre Lima, 2 nautiques au sud, donc quitte la séquence à tout à l'heure, d'environ 3 quarts d'heure. J'ai beau être du coin, je reconnais même pas les villages un peu du dessus. Ah, c'est normal. Hein. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure à Sylvie. Bah si, la 4 voies elle est là-bas. Oui, la 4 voies elle est sur notre droite. Oui. Là c'est la ferme, comment que c'est, pas Vertefeuille, si c'est Vertefeuille ça. Là c'est la route qui va à Longpont, qui passe en dessous. Je vais appeler le contrôle aérien. Paris Info de Fox Novembre Lima, bonjour. Station en plan, bonjour. Paris Info, le Fox Golf novembre Lima, DR403, personne à bord. On vient de décoller de Soissons pour un vol local en secteur ouest, on est 2000 pieds environ. Pour information, on va faire Pierrefonds, la Clairée de l'Armistice, on revient vers Soissons ensuite. Donc 2000 pieds pour passer en séquence avec vous. 70-21. Novembre Lima, 70-21 affiché. À Paris Info de Fox Lima Sierra. Donc voilà. Philippe, est-ce qu'on va voir la tour Mangin?
Lima Sierra. Oui, monsieur, j'ai perdu le contact avec Saint-Info 126. Je voudrais libérer le niveau 65 pour 45. À votre convenance, et vous passez avec Poitiers 124-0. Avec Poitiers 124-0, merci monsieur. Je me demande si elle n'est pas là-bas, Sylvie, non? Le truc qu'on voit au bout là-bas? Ouais. C'est bien, oui. Bon, voilà la benne. Ouais. Oui, hein. Alors, on est un petit peu secoué là, c'est l'explication, ça serait la forêt. Et là, un peu de thermique. Et là, il me semble que c'est où je venais faire des photos. Ah. Au bras, bah attends, je sais plus bien. On se repère pas, hein. Ah ouais, non, j'ai du mal à me repérer là. Paris Info, good afternoon, Golf Oscar India Hotel Charlie. For flight information, donc on passe au-dessus de la route, pardon, de la voie de chemin de fer. Ok, on a l'antenne qui est juste derrière la droite. Golf Oscar India Hotel Charlie, squawk 7002. Donc Villers côté à droite, we're at flight level 95, just approaching Lima Foxtrot Echo Hotel. On a quasiment pas de vent aujourd'hui. Qu'est-ce que ça serait? Ah oui. Ah ben, je sais pas si t'as vu la vidéo de... le SR22. On se fait secouer quand même. Hein. Ah ouais, ouais. Ça se voit pas trop forcément, mais en pratique, je peux te dire que... Donc, je sais pas si tu connais, mais la grande surface qui est là, ouais. C'est Volkswagen. C'est l'aire de distribution pour toute l'Europe, je crois. Enfin, l'Europe de l'Ouest. Ah, ils ont tiré Volkswagen. Voilà, ça y est, là on est stable, on est bien là. On est nickel. Donc on arrive, il est 31. Bon, j'avais prévu 33. 31, la route suivante, ça sera du 330. Pour quitter la fréquence. On est ok. Allez, je tire. Donc là, t'as un truc tiré, c'est normal. Fox Papa Sierra pour quitter la fréquence. Y'a personne. Fox Papa Sierra, vous pouvez quitter, au revoir. Merci, au revoir. Y'a pas rien si ça vibre un peu ce truc là. Ouais, c'est normal. Fox Papa Sierra, excusez-moi, j'ai cru que vous nous appeliez. J'ai essayé là aujourd'hui. C'est pas grave. Déjà, vous savez, chérie, là-bas t'as l'émetteur, tu sais, avec la grande allée royale. Oui. À droite. Y'a une trouée avec un émetteur hertzien là-bas. D'accord. C'est l'allée royale qui donne sur le château de Villers-Cotterêts. Ah ok. Dans le simulateur, quand ça se coule un peu, j'aime pas trop, mais je m'aperçois que j'ai intérêt à remettre de la turbulence parce que sinon c'est pas réel du tout. Ah ben c'est sûr que là après, allez hop, on a contourné Villers-Cotterêts, on prend le 330 et on est dessus. Voilà. Un nœud de face, hein. Ça fait 2 degrés, je prends 220, 328. Ça va, Sylvie? Ouais, ça va. 2450. On est dans le vert partout. Il a manqué quelques tours. Donc 31. On sera sur donc 35, 36. Bon, ok. 335, 2000. Donc vous voyez, ça change un petit peu quand même de là-haut. Hein. Ouais. Les points de repère sont pas du tout les mêmes. Ah ouais, c'est clair. Hein. Tiens, on voit 60 et les éoliennes là-bas. Ah oui, les éoliennes de Lurie. Ouais, Maurice, information, c'est Bravo, Papa, Bravo, Hotel. Station plan, bonjour. Hotel Bravo, Papa, Bravo, Hotel, Pipe 28 Alpha, 2-4-4-4, via Bordlight from Echo, Bravo, Oscar Sierra, to Lima, Sierra, to Lima, via Bordlight Plan. 7016. Alors, en hiver, quand il gèle, l'air il doit être moins turbulent, non? Ouais.
trouve là. Ok. Donc on a Pierrefonds qui est juste devant nous là. Je me suis un petit peu laissé distraire. Ouais, ouais, c'est la forêt de Compiègne qui arrive là. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va redescendre gentiment. Donc je vais virer à gauche. Et je vais revenir avec un alignement un peu plus correct que ça. Donc comme quoi, tu vois, dès qu'on n'est pas sur la branche et qu'on l'a pas en... Hop là. Au niveau des oreilles, c'est normal. Hein. Ah ouais. J'ai été un peu violent avec vous, désolé. Ça va mieux, là on est moins 500 pieds. Ouais. Tu le vois le château, chérie? Oui, je le vois. Donc si ça vous fait un tout petit truc aux oreilles, vous déglutissez, ça disparaît. Voilà. Delta Victor. Clermont, 120, 675, au revoir. Non, correction, 120, 675. Donc là, je me réaligne comme j'ai fait tout à l'heure avec Jean-Luc. 7 Sierra. 67 Sierra. Dans 41, 67 Sierra. Poitiers, 124-0, au revoir. Et Poitiers, 124-0, bonne journée, monsieur, 127-0, au revoir. Bon, l'étang, il est rudement avec des algues, dis donc. Des nénuphars, non, c'est des nénuphars, ça. Non, oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, là, on est un petit peu obligé de s'éloigner pour être sûr de ne pas passer complètement au-dessus de la ville. Donc là, je vire, on est... non, tu vas pouvoir en profiter un petit peu. Golf Bravo Echo Hotel Hotel. Hotel Hotel, Squawk 7, good day, Squawk 7010. Donc là je suis pas au-dessus de la ville là quand même. Un peu, mais c'est une ville qui est tout en longueur, hein, tu sais. Ouais. Hotel, hotel, what is your estimate of Lima Fox, Québec, bravo? Là, on est à 15-20 degrés, 15 degrés. Copied. You are identified. Paris Information, Golf Bravo Papa, X-ray Echo. X-ray Echo, good day, Squawk 7011. Squawk 7011, Golf X-ray Echo. On va le voir encore, hein. Voilà. Hop, les ailes à plat. On va se remettre dans l'axe dans quelques instants. C'est une sacrée forêt quand même. Hein. Ouais. Voilà. Et maintenant, le but du jeu, ça va être de chercher, ben... derrière. Armistice. On le voit bien encore derrière, juste à droite, là. Ah oui, oui. Il y a une belle vue, là. On voit des jardins, là, dans un parc. Où est-ce que c'est? Ok, allez, 308. On prend le 330. On va chercher la trouée dont tu nous parlais tout à l'heure.
Compiègne, il est où? C'est par là. 330, Compiègne, c'est à gauche, là. D'abord, oui. Ok, donc on a une colline à gauche, ça doit être celle dont tu parlais, là, mon... Oui, ça, c'est les grands bons, je pense. Ou les Bobons, oh, je sais plus. Il y a les deux qui existent. Ok, allez, on enlève la réchauffe. On remet les gaz. Un cran de volée de sortie, non? Non, non. On reprend de la vitesse. Hein. Non. On est parti, 39, je crois. T'as pas un cran de volée qui est sorti? Non, non, c'est normal. Non, non, là c'est bon, il est fermé. Non, non, il est fermé, c'est juste l'aileron. Ok, 1800, ça me va. Alors, la clairière, elle est quelque part en dessous, là. En dessous, à droite, hein, c'est quelque part. Là, on a la... De toute façon, c'est pas compliqué, il faut suivre l'aide. Ouais. Est-ce qu'on doit avoir un parking, nous aussi, normalement? Après, derrière, il y a l'autre colline. Moi, je vise déjà le point suivant, en fait. Quelque part en dessous là, dans ces étangs là, je pense. Un peu de virage à gauche là. Je pense qu'il y a un parking en bas, enfin j'en suis pas sûr, mais en dessous. La trouée que t'as dit là, donc ouais, elle est à gauche, voilà. Et donc elle est quelque part en dessous là. Là on a sur notre droite en dessous là. Ouais. Là il y a une parcelle avec des conifères qui sont complètement foutus. Là on est dessus. Alors, ça se trouve on est dessus. Pourtant on est décalé. Hein. Ok. On regarde derrière peut-être. Par rapport à la nationale, c'est sur la droite, ça serait dans ce... Ah bah tiens, elle est juste c'est là. Voilà, ça doit être là. C'est bon, elle est à gauche. C'est la partie jaune, là, à gauche. Okay. Elle est juste à gauche. Bon, oui. Bah, je la regarde un peu. Bon, bah, j'ai tourné trop tôt, en fait. Non, non, bah, c'est pas grave, c'est impeccable. T'as vu? Ok. Bon, bah, maintenant, c'est où elle est. Alors là, je pilote à vue. À la recherche du patelin dont je vous parlais, j'ai peut-être trouvé. Bon, on va reprendre de la vitesse. 25. Ok, alors là je vais redescendre à nouveau à la fois en vitesse et à la fois en altitude. Ce que je vous dis tout à l'heure, on va avoir l'impression d'être sur la forêt. C'est normal. C'est pas moi qui fais fatiguer d'un coup, attention les oreilles. First information, this is Golf Alpha Sierra Lima Victor. Golf Lima Victor was on frequency, but I was obviously out of range and I've now changed to 126. Je maintiens 89, 1200 pieds pour le moment. Et moi, ma cible en vue. Golf Lima Victor stalking 7013. Du coup, ouais, t'as pas de vario à aiguille sur celui-là? Ah là, non, du tout là. Là je suis en pilotage à vue par rapport à ce que j'ai préparé. Mais bon, il y a des gros repères, on peut pas le louper là. La ville que je cherche, elle est juste à gauche. Ah ouais. That's negative because Sen is information is closed and I'd like to stay with you if that's possible. Vous voyez ce que je disais quand on parlait au-dessus de la forêt? Et encore on est 100 mètres plus haut que ce que on peut descendre encore 200 mètres. Ouais bah la rigueur effectivement. On va prendre la ville qui est juste à gauche, là, dans le champ, là. Et on verrait ça, son chez lui, comme ça.
Bon ben un petit bonjour à Franck hein. Et c'est un peu pour ça qu'on passe hein. Toute la ville avec tous les champs qui sont là. Bon voilà tous ces bâtiments qui sont là. Donc trop. Voilà. Donc on est 1100 pieds, 85 nœuds. Un petit bonjour, ça y est, c'est bon, j'ai pensé avoir repéré. Et pas moins de 1000 pieds, non 1100, c'est bon. Donc on est pas haut là. Voilà, c'est ça, toutes ces maisons qui sont là à l'ancienne en filmant là. Clac, 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 clac. Bien, maintenant je vais enrouler là-bas. Le rond principe, c'est maintenant. De toute façon, le GPS il va me le dire. Ok, on enlève, on remet la gomme. Hop, on rentre les volets. Entrée, 90 nœuds, on peut dépasser les 92. 6-5, back to the entrée de vecteur. Très bien. Degré, on monte environ. On met un peu d'air pour s'il est derrière, je vais avoir chaud. 500 pieds. Donc on va redescendre en gros quasiment dans le sud. Je cherche 1200 pieds, on est 123. Donc si je suis ma log de nav initiale, c'est ça. Charlie Info, 62 Bravo, Charlie Bravo. Degré, ça suffit. Voilà, il y a un petit château sympa à droite là. Oui, oui, oui. Sur... Bruxelles, 126.9. 126.9, merci, bonne journée. Journée. 2450, stabilise à 2000. Donc en gros, on va rechercher l'Aisne. Ouais. Ah, ouest. Ah, est, pardon. Bon, à mon avis, il suffit de chercher un cordon d'arbre qui fait des virages. Ouais, ouais. Ah, bah, tout à fait, ouais. Bravo, Tel. Echo, bravo, Tel, fait ça. Scène 120, 325. Au revoir. Au revoir, Philippe. 120, 325. Au revoir, monsieur. Merci. Ok. Parce que j'ai trouvé un tissu. On met au Fox. T'as des gravières des ouais, là. Lui mange 124.05, au revoir. Et on voit les éoliennes où on va là-bas. Si Hôtel Charlie. Sécurité, personne à gauche. Quand on sort à Charlie, ah. Clermont, 120, 675, bye. Je suis étonné de la hauteur du tableau de bord, je pensais qu'on avait une vue plus dégagée. Frais Echo. Come back, Echo. Lille, 120, 275, bye. Voilà, let's go. 20275, good day, Echo. Information, Golfer Bravo Papa X-ray Echo. Still with Paris. Ah là c'est des... Ouais, il y a la rivière qui passe, ouais. Ah là je reprends la route 90, hein. Ouais. Donc on voit 60 devant là-bas. On voit bien la différence de conifères, feuillus et tout ça, hein. Entre eux? Je dis, on voit bien la différence entre les feuillus, les conifères et tout. Ah oui, d'accord. Ah, effectivement.
rester à cette altitude maintenant. Et alors là, on est tranquille pendant 7 minutes. Enfin, tranquille. Façon de parler. Là, il me semble qu'on est au niveau de Cuisenlamotte. L'usine qui est à droite, bah, c'était avant, elle s'appelait Nobel-Moselle, c'est une usine de chimie. Ouais, d'accord. Que c'est ça. Bon, ben là, maintenant, il n'y a plus qu'à regarder ce que ça donne ici. Hein. Ici. Non, ça serait... Ou alors, c'est Vic-sur-Aisne. Ah, je sais plus, je suis un peu perdu, là. Non, c'est peut-être Vic-sur-Aisne. De toute façon, il y a deux villes importantes. C'est Bernie Rivière en face, à droite, là. Ouais. Oui, c'est camping. Donc c'était bien Cuisenlamotte qui était là. Là, c'est le camping, là. Là, c'est le camping, très réputé, à 5 étoiles, là, ouais. Donc il y a machin Vic-sur-Aisne un peu plus loin, alors. Oui, c'est ça. Là, on est à Bernie Rivière. D'accord. Donc celui-ci, il est même pas donc, indiqué. Donc on a passé vite. Fox Golf Tango, Juliette Charlie. Donc Autrèche, c'est sur la gauche, par là. Ouais. Autrèche, c'est un des... Ah oui, à gauche alors. Effectivement, donc un petit message. Un petit message personnel peut-être, Sylvie. Ah bah... Un coucou à Nadège. Nadège, oui, un petit coucou. Et à Hervé. Là, on voit bien les méandres de la rivière, là, ouais. Oh, t'as vu ça? C'est chouette, une rivière, vue de cette hauteur, avec des petits ponts, là. Travaillé pendant un an comme instit ici. Ah, ouais. Donc on va survoler, enfin, la forêt là ici, comme ça on se rapproche de Soissons. Moi je sais que ma cible elle est au niveau des éoliennes. Les éoliennes, ouais, Soissons est là. Il n'y a pas de problème. Quand t'as un repère comme ça, pas en difficulté. Je suis en train de regarder si je vois la place de la mairie, de l'école, je vois l'église. Ah, tu vois, regarde, il y a un truc que j'avais remarqué. Je l'ai vu. Et les toutes petites différences de dénivelé qu'il y a là, ça fait des légères combes, enfin c'est pas des combes, j'ai oublié le nom là. Ouais. Oui, les éoliennes, on y est déjà, hein. Ça va vite, hein. Ah oui, ça va très vite. Alors, au niveau du carburant, donc, on a quasiment vidé l'arrière, et ce qui fait que le réservoir principal, il est toujours sur 3. Okay. En gros, c'est comme si on n'avait rien consommé. Ouais. Droit devant, tu as des... ça ressemble à des silos, c'est un bâtiment bleu un peu assez élevé là-bas. Oui. Ça, c'est la sucrerie de Bucillon. D'accord. Donc nous, on habite à gauche de ce gros bâtiment repère. Bon. On est au niveau des voies sur là où t'es alors. De toute façon, moi je crois que j'avais repéré de mémoire les grands étangs que ça fait derrière là. Ouais, bah, c'est une décantation de la sucrerie. Ok, c'est ça. Et je vais plus ou moins être à la verticale de ces étangs du dos là. Nous on habite en fait droit devant là je pense. D'après ce que je vois c'est les maisons les plus à gauche du village. D'accord. Bon ben donc Soissons à droite. Voilà. Radio 5. Radio 5, please, thank you. Bon, il y a des petits dénivelés en dessous, ça fait, je sais pas, ça fait des trucs. Ah, le problème c'est qu'il est totalement imprévisible. Aujourd'hui je m'attendais pas à ça puisqu'en fin de compte l'atmosphère elle est très calme. Elle est très calme. Il n'y a quasiment pas de vent d'ailleurs, c'est ce qu'il nous dit. Hein. Mais on est à 23 degrés ici, il doit faire 25-27 en dessous. Et ça fait chauffer quoi. Donc avec la forêt, les champs. Je vais prendre une photo. Hein ? Tu peux me prendre une photo? Oh ben, j'ai du mal avec mon appareil alors. Je sais même pas si je les prends là. Je vois rien qui se passe. T'as rien faux de face, bravo, Pierre, bravo, si je prends bien. Je vois rien qui se passe quand j'appuie. Non mais c'est pas grave. Fox
Bravo Oscar, Bravo Victor Paris Info, bonjour. Bravo Victor, en basse mer 41, 8 personnes à bord. En provenance d'Andernos à destination de Châle-le-Pin et l'FPH. À 200 de zone d'Aquitaine. Ensuite, viré. Donc là, c'est Crouy. 70-11. Ici, c'est le bled d'après. 70-32, ouais. Bravo Victor. Correction, okay, 70-11. 0, unité. 70-11, bravo Victor. La chérie, on voit le super Charlie. Ok, j'ai trouvé mon repère. Ok, Fox Charlie, uniforme, bonjour. Vers 400, ville à Grandville. Ok, c'est bon, chez où on est exactement. Allez, on va virer à droite. Et je cherche les grandes surfaces là-bas. On est 1800, je vais descendre un tout petit peu. Si tu peux allonger un petit poil dans cette... Parce que là, il y a le... Il me semble que c'est le site. Ah oui, tu veux voir ça? Ouais. Non, c'est parce que la maison, elle est là en dessous. Attends, là, je dis pas de bêtises. Oui, on est là en dessous, dans le lotissement en dessous, là. D'accord, ok, très bien. Bon, okay. Donc là, tu peux tourner, ouais. Par contre, j'ai quand même évité de passer au-dessus de la ville, donc je vais aller un tout petit peu plus loin en cherchant les étangs derrière. Ouais, l'église, elle est là, c'est ça, on est en dessous, nous. Donc là, c'est Bussy, là? Oui, okay. On est... La maison, elle est à droite avec l'église. Il y a la ferme de la montagne. Et la ferme de la montagne. Allez, profite-en, on est en ligne droite en 30 secondes. Là. Ouf. Et pas forcément une bonne nouvelle, puisque les ailes vont passer devant. Juliette Mike, il a un petit peu. Les scouts très légers. L'identification est formelle. Dans la maison. Non, les bassins de décantation sont superbes. Bassins de décantation, ouais, c'est super. Bon, ils sont colorés. Et... Oh là, j'arrive pas à prendre des photos tellement ça se couille. Allez, hop là. On tourne. On vire. On vire. Là, tu vas pouvoir profiter à droite. C'est super, les bassins là-bas. Ouais. Oh, j'aurais dû prendre une photo. Oh la vache. Oh la vache, c'est infernal. C'est pour ça qu'on a le mal de mer. Moi, j'ai pas le mal au cœur, mais c'est parce que bah, ça saute, t'as du mal à prendre. Et oui, ça arrête pas, donc tu peux pas stabiliser le truc. Harris Golf Barbara, Hotel. Paris Info de Fox Novembre Lima. C'est Venizel en dessous, chérie. Paris Golf Bravo Echo. T'as des silos sur ta droite. Là, dans l'arrière, les bassins. Oui, j'ai vu. Hôtel, don't forget to close your flight plan when arriving at 3, or if you want, I can close it for you. That's your convenience. Yes, please, when you close it now. You will close it when arriving at 3? Negative, you close it please. Hotel, I close your flight plan so you can leave my frequency and squawk 7000. Bye. Squawking 7000, bye. Fox Novembre, de Paris Info de Fox Novembre Lima, visuel sur 60 pour vous quitter. Avec 60, au revoir. Avec 60 000 de transpondeur, au revoir. Paris de Fox. Soissons de Fox Novembre Lima, rebonjour. Soissons le Fox Golf Novembre Lima de retour. Visuel sur les installations à environ 2 minutes de la verticale, 2000 pieds pour ma distance. Qu'est-ce que je fais, moi? C'est l'inverse que je veux faire. Réduire. Au niveau des immeubles, c'est Bellon, le village où j'habitais avant. Bon, j'étais gamin. Tendez vite. Hein?
Pardon. Saint-Jean-des-Vignes. Oui, Saint-Jean-des-Vignes, oui. Alors, on a un vent. La gauche. Je reconnais pas ce qu'il y a en dessous là. Il y a la zone, Philippe, où il y a les restaurants. Les 14 heures. Oui, oui. Poisson, Fox, novembre Lima, 1700 pieds, quasi vertical pour reconnaissance. J'ai descendu un peu pour être sûr de bien voir la manche à air, pour être précis. Mais c'est quoi, c'est un planeur ça? Bon, c'est quoi ce truc là? Où ça? On dirait qu'il y a un planeur. Ah, il y a un planeur. Ok, alors la manche à air, elle est orientée comme ça. Ouais, il y a un planeur. Non, 85 nœuds, c'est bien. Ok, ça vient de la gauche. Hein. En fait, ça vient de carrément de la droite, mais c'est quasiment pas... Tu les vois où, les installations? Juste en dessous, à ma gauche. Ok. Bon. Bon, ok, ça bouge pas. Je vais faire le circuit comme tout à l'heure. Qui s'égare à côté de ma voiture. Poisson, le Fox novembre Lima, je vais m'intégrer en vent arrière pour un complet sur la 07. De la piscine dans le coin, dis donc. Ok, je descends. Poisson, Fox novembre Lima, descend 1500 pieds sur le traversier. Hop là, encore un peu trop fort là, désolé. C'est bon aujourd'hui? Pas les oreilles? Ça va, ça va. Impeccable. Pas toujours. Poisson de Fox novembre Lima, début de vent arrière pour un complet sur la 07. Alors j'ai la pompe et la réchauffe. Je mets un cran de volée. Et le cran de volée, vers la pompe, la réchauffe. Le terrain est en bout d'aile, 1460, c'est un peu bas. Voilà, c'est bon. On pense comme ça, c'est parfait. Avec tous les chambres sonnés, si jamais il fallait se poser, ça sera encore jouable. Ah, ah je dis s'il fallait se poser ah, dans oui. les chambres, ah, oui, jouable. Là encore, ouais, se poissonner. Ouais, ben là encore, là, c'est... ouais. Vous avez vu, Philippe, ils sont en train de construire une nouvelle usine. Ah oui, oui. Olé.
Alors, il y a un patelin en tout à ma droite, là. Ouais. C'est chaud, hein. On les évite, hein. Ouais, parce que les riverains, ils gueulent ici, pareil. D'après ce que m'avait dit le président. Poisson, Fox Novembre Lima, je passe en base pour un complice pour la 07. Quand on fait le relais, Philippe. Oui. Là, je vais faire en sorte de ne pas overshooter comme tout à l'heure. 80, on est bien. Voilà. Deux crans de volée. Soissons Fox Novembre Lima en finale pour un complet 07. On passe en courte, 66 nœuds, 63 nœuds. Le réduit. Nous, on stabilise. Ouais. Quand on s'arrête comme ça, hein. Voilà. Ouais. Je vous parle la derrière, on va sauter en parachute à mon avis. Tu crois? Maman petit Pascal, c'était bien agréable. C'est rapide, hein? Non, mais c'est ce truc. C'est très très rapide. Ouais, mais c'est super sympa, hein. Oh la vache, c'est bien. Alors, on reconfigure. De Fox Novembre Lima, piste 07, dégagé, rouleau parking pour quitter les groupes. Bon, elle est bombée la piste. Bon alors Sylvie, ben je me suis pas servi des sacs. Très bien, c'est parfait. Ça a été alors? Ben non, c'était super. Ah, c'était ça vous a plu? Ah, ah, ouais. Oui. Franchement ouais. Sylvie aussi? Ah oui. Ah ben c'est nickel. Magnifique. Oh, magnifique. C'est beau mais c'est très rapide je trouve. Oh ouais mais bon écoute, non moi je... C'est bien, impeccable, il n'y a rien à dire. Ah, disons que ça, voilà, pour moi je dirais que ça c'est le tour minimum. Ah oui. Il faut partir sur une nave, on fait au minimum 30 minutes. Ouais. Plus le temps de faire un truc, une minute. Ouais. Quand j'avais fait mon baptême de l'air, on était parti forcément et on était monté sur Coucy-le-Château et on était revenu. Ouais. Bah ça avait duré une demi-heure maximum quoi, ouais. Ouais, voilà. Vraiment maximum. Bah, du coup on a fait un bon tour moi je trouve. Oui voilà c'est ça.
Là, c'est une demi-heure minimum en vol pour moi. Ouais, ouais, faut tendre vers le 40 minutes, 45 minutes pour commencer à vraiment te dire, voilà, on a volé, on en a profité. Non, c'était... Ouais, et en heure moteur, quasiment à une heure. À peu près ce que j'avais évalué. Je verrai ça dans le détail. On fait peur à Jean-Luc ? Peut-être pas quand même. On le découpe. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vers lui. Je sais pas encore, mais moi je vais tourner, je vais me mettre comme les autres appareils. Ouais. On va pas faire le vilain petit canard, hein ? Ouais, c'est sûr. Matriculé 00, c'est quoi celui-là ? Bonne question. Qu'est-ce que c'est ? OO. Ah, c'est une bonne question. Bah, OO. Oh, je sais plus. Ah, bah si, c'est belge ! Les Belges ? Oui, je me disais, mais oh, je crois que c'est les Belges. Ouais, c'est vrai qu'il y a des Belges. Bizarre, là, ouais. Les Belges. On m'a dit que c'est un avion belge. Non. Oui, c'est vrai qu'il y a des Belges. Voilà. Alors, 1200 tours, les pieds sur les freins. 1200, pas 1400. Bon, allez, au revoir la radio. Au revoir. 60 Fox Novembre Lima au Parc Club, portez l'écoute, au revoir. On enlève le front park. Arrêt moteur à 14h10. Et ben. Et on ouvre ça en faisant attention à ne pas exploser. Souriez, vous êtes filmé. Ah mince. Voilà. Et voilà. Ah. Bien passé. Très bien. Sylvie, très bien. Ah, super, c'était voilà. Magnifique. Un petit peu de temps en temps que tu avais. Un peu secoué, oui. Ah, on a été secoué un peu quand même. Ça, ça lève le cœur, mais sinon. On s'est pris un machin, on a tous décollé. Ouais, on s'est fait vrai. Un dixième de seconde. Il y a un peu de vomi sur le siège, mais tu ne seras pas gêné pour avoir le casque. Alors c'est pas grave. Comme au départ. Là, un petit peu chaud quand même, non ? Je suis trempée. Bon. En plus, ça colle à ça. Ah oui, oui, bah oui. Ah, c'était un truc comme au départ de la test, là ? Au départ de quoi ? Quand on avait fait ah oui, la test. Petit... oui, c'est ça. C'est même ça. Carrément violent, là. À un moment, violent, on a fait un. Ah ouais. Ah ouais, comme ça. Une photo, ouais, ah non, si l'appareil il reste pas au plafond, t'es bien. Ah ouais, non. Ouais. On a eu un, pas une demi-seconde, mais pas loin comme ça. Je te dis, c'est ça. Choum, plaf. Ouais, ça a monté ou ça a descendu ? Monté et descendu. Ouais. On a pris une pompe comme ça. Ça a fait une claque. Bing bang. Une claque. En fait, on s'est retrouvé comme ça et après. Il fait chaud et t'as vu ce qu'il y a en haut ? À mon avis, c'est parce qu'il a pas enlevé le slope sur Picardie. Il en a laissé deux. Puis il y avait une marche. Bon. En tout cas, on pourra pas dire que t'as pas mouillé la chemise. Ah non, là, ça c'est clair que là, bon. Mais t'as vu, c'est en train de...